Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour un nouvel épisode de Mario Luigi Voyage au centre de Bowser, j'espère que vous allez bien. 7ème épisode, tourné presque à la suite, en fait un jour après les amis, je le tourne, donc écoutez, nous sommes partis, la dernière fois nous avons fait la zone hydraulique, hein, qui était juste en bas de notre carte. Est-ce que j'ai la carte? Ah non, j'ai pas la... Ah si, j'ai la carte juste là, donc qui était à gauche de nous, et là on est parti pour, comment ça s'appelle ça? Je crois que c'est les trucs ardents, comment ça s'appelle? Attendez, on va regarder vite fait. Donc ouais, la dernière fois on avait fait la zone hydrique. Ah c'est hydrique, ok. Et là on va faire le conduit ardent. Let's go. Enfin, on va faire les amis. On va essayer. Enfin, on va commencer déjà. Parce que peut-être qu'il y a un boss qui nous... Peut-être qu'un boss nous attend, je sais pas. Enfin bon. Donc du coup les amis, j'ai pas regardé en off hein, au sujet de la pièce, on verra bien. Si du coup j'ai pris une décision, si je galère contre le boss, hein, j'irai chercher cette pièce. Mais si je galère pas, voilà, pas besoin. On va l'éviter. Alors, bien. Donc là, je me souviens des touches, les amis, ça devrait aller mieux que l'épisode précédent. Hein. Désolé, hein, il fallait que je m'y remette. Alors, bien. En tout cas, d'abord, les amis, un truc à dire, c'est que j'adore cette zone. Je la trouve vraiment très jolie. Le décor derrière est magnifique, je trouve. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Faut le tuer, non? Oh! Luigi, c'est un des monstres qui peuple la forêt foussée. Ah, il a sûrement été aspiré par Bowser. Bah oui. Mais il a normalement gros. Aurait-il mangé un truc dans... Ah bon? Ah. Je comprends. C'est parce qu'il est collé ici que Bowser ne peut plus cracher de flammes. Ah, c'est lui alors qui nous fait chier. Non. Ah, c'est peut-être un boss, les amis. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est un boss, c'est rien. J'ai restauré tous nos PF. Vous inquiétez pas, on est prêt. Luigi, où est-ce? J'adore Mario. Ah non, non. Merde. On va l'affronter à deux, au moins. On va pas l'affronter avec Luigi. Ah. Ok, bah, ça a l'air d'être un boss. Enfin, je sais pas si on compte comme un boss. Tocolant niveau 5. Ah, je sais pas. Non, je sais pas si on compte comme un boss. C'était un point d'interrogation. Ouais, mais c'était pas un boss. Non, je crois que c'est pas un boss, les amis. Donc, on va pas être ses attaques, frère. Boum! Ouais, je sais que t'es en colère. Je sais. Allez, Luigi. T'en lui fais que du 8, putain. C'est ridicule. Mais bon, je vais pas utiliser les attaques frère là. Hein. Il va crever. Dans pas longtemps, il va crever. Ah, une autre attaque. Ah, le bâtard! Oh, du 5, ça fait mal, ça. C'est une bonne attaque, ce qu'il m'a fait. Allez, je veux que Bowser recrache des flammes. Allez, dégage! Ah, putain. Ouais! Je l'esquive. Parfait. Avec de la chance, certes, les amis, mais c'est réussi. Allez, c'est parti. On va continuer à l'attaquer comme ça, hein. On va pas utiliser les attaques frères. Pour moi, c'est pas un boss, il va crever dans ton temps. Non, 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 putain. Merde. Ah, un coup de chance, cool. Un petit coup de chance. Allez. Ah. Voilà, parfait. Ce que j'aime bien avec les marteaux, c'est qu'ils ont une assez bonne portée, quoi. Ah, il y a Furax. Merde. Ah merde, je lui fais moins de dégâts. Wow. Wow. Ah d'accord. Ok, une nouvelle attaque. Oh, j'ai eu de la chance en réussissant à l'esquiver. Assez intéressant que l'écran du haut est utilisé pour certaines attaques, je trouve. C'est plutôt sympa. Je sais pas si dans... Je me rappelle plus dans Mario Luigi... Les frères du temps, il y avait... non, pas les frères du temps. Superstar Saga, il y avait ça, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il y avait des attaques en l'air. Et du coup, c'est assez bien, je trouve. Allez, crève. Non, putain, je l'ai raté. Putain, dommage. Dommage. Il commence à me mettre cher. Ah, merde. Ah, l'attaque plus 7, ça fait mal. Ok. On va peut-être bientôt soigner. Bon, c'est pas grave, on devra avoir les items nécessaires, je pense.
Ça devrait aller. J'espère. Merde. On n'a pas fait un excellent. Yes. Ah, je croyais qu'il était mort. Quel dommage. Oh, je l'ai raté, putain, c'est con. Mais bon, tant pis, j'ai pas subi de dégâts au moins. C'est pas grave. C'est pas perdu, on va dire. Allez, c'est parti. Ouais, un coup de chance, ça se fait plaisir. Yes. Ah merde. Putain, je crois tellement qu'il crève à ce moment-là. Ouais, je l'ai eu. Putain, c'était chaud. C'était assez chaud, les amis. Yes. Hop, parfait. Ouais, parfait, il est mort, les amis. Bon, ça, on n'aura pas besoin de se régénérer. Et voilà, un de moins. Et des gants récup... Oh, c'est bien, ça. Yes, on monte. Pardon, deux niveaux tous les deux. Cool. Le niveau 6. Ah, on change de rang. On est le rang... Ah, carapace, je crois que c'est le rang fleur. Tu vois. Chaque fois que vous passez à un rang supérieur, vous pouvez choisir un bonus de rang pour renforcer votre personnage. D'accord. Ah, frère musclé, frère charismatique. D'accord. Attaque et PV plus 1% à chaque fois que vous gagnez un niveau. Ah oui. PF et moustache plus 5% à chaque fois que vous gagnez un niveau. Ah, il y a quand même les PF. Mais là, il y a quand même attaque et PV. Donc, ça sera les frères musclés pour moi. Ok. Donc, on va monter les PF. Voilà. Alors, on a du retard maintenant avec les PF. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va rattraper notre retard. Pareil, Luigi monte. Bah, Luigi, on va prendre la même, hein, clairement. Laurent Carapace. Et on va prendre les frères musclés. Alors. Bah là, ce sera aussi les PF. Voilà, un plus 2. Parfait. C'est bien parce que Luigi a des stats assez équilibrées, hein, comme je l'ai dit. C'est cool. Comparé à Mario, où c'est un petit peu la merde. Bon, du coup, comme ça, Bowser peut enfin cracher les flammes. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû rester sur mes gardes. Eh oui. Je vous dois une fière chandelle. Effectivement. Ah, ça marche. Du coup, ça y est, peut-être les flammes. Ah, yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux à nouveau cracher les flammes. Si tu ne pouvais plus cracher de flammes, c'est à cause d'un monstre que tu avais avalé. Comment? Mais on l'a vaincu, t'inquiète pas. Ah, ah, ah. Hé, t'es une bonne petite. Tu peux devenir un de mes sbires si tu veux. Non merci. Pff, tu vas le regretter, je te le dis. Comment t'appelles? Quoi? Comment je m'appelle? Oui, je te demande comment t'appelles. Ton nom, quoi. Mon nom... Eh bien... C'est Chippy. Chippy, c'est bizarre comme nom. Oui, je sais, bref. Mais dis-moi, Chippy, tu as dit on tout à l'heure. Hein? Ah, il est pas con, Bowser. Il y a quelqu'un d'autre dans mon corps? Ah là là. Ah. Non, j'ai dit ça? Bah, peu importe. Ce qui compte, c'est que je peux cracher les flammes. Je vais vous montrer de quoi je suis vraiment capable. La princesse Peach n'est pas là, on dirait. Tant pis, observons un moment ce que fait Bowser. D'accord, peut-être que d'autres changements se produiront dans son corps. Effectivement. Oh, ah, ah. Ah, ça fait du bien, cracher les flammes avec Y. Je vais pouvoir brûler tout son passage. Et je vais commencer par brûler toutes ses armes. D'accord. Bon, du coup, on rééquipe Bowser. Par contre... Ah, d'accord, ok, les flammes, c'est X, ok. Parce que moi, c'est pas Y, hein, les amis. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, en fait, Bowser ne sait toujours pas que Mario et Luigi sont dans son corps. Hein. Et ça, je m'en rappelle, ça va donner une scène plutôt marrante. On va rigoler, je pense. Bon, du coup, on doit continuer avec Bowser, les amis. Bah, finalement, on aura fait cette zone. Hein. Merde. Du coup, on aura fait cette zone de mort. Merde. Voilà, je crame tout. Du coup, par où je dois aller, déjà? À droite, certainement, non? Ah, ouais, ici, je pouvais pas passer. Parfait. On crame tout ça. Ah! Ah, encore toi! Qu'est-ce que tu fais encore? Là, tête de bloc. Oh, mister. Si je suis toujours là, c'est parce que j'ai un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a?
C'est plutôt terrible. J'ai perdu mon mignon petit Blog Dog. Ah. Hey, Blog Dog, youhou! Reviens vite, my dear. Je suis si triste without you. Without you. Grr. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est là. Ah. Oh. Il a peur? Ah, il a pas peur. Il aime pas Bowser, certainement. J'ai retrouvé my dear Blog Dog. Allez, viens ici. Viens faire un big câlin à ton maître, espèce de little brigand. Ah oui. Oh, my dog. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouf, ouf. Gros. Ah, ah, ah. C'est quoi ce truc? C'est ça ton chien? Il n'est pas de very good humeur aujourd'hui, je dis. Dans ce cas, pourrez-vous le calmer un peu, please? Ah, un combat. En 2-3 coups de poing, il retournera à sa niche, ton blog sur pattes. Oh, c'est une idée very dangereuse, my dear. Quand il est en colère, Blog Dog est absolument invincible. Vous n'avez aucune chance, uniquement avec les poings. Ah. Ouf, ouf. Yosh, c'est parti. Le combat avec Bowser. Déjà... Ah, merde. Je suis con. Ah. Hey, mister. Quand Blog Dog saute, utilisez votre Great Carapace. Voulez-vous que je vous explique? Pas besoin. J'ai compris. Oh, non. Ouais, ok, ok. Alors... Guide, ouais, on s'en fout. Aspirateur, flamme, coup de poing. Bowser, il avait parlé de coup de poing, mais qu'est-ce qui serait le plus efficace, les flammes ou le coup de poing? Bon, on va utiliser le coup de poing pour commencer. Mince. Oh, zéro! Merde. Stop un petit peu. Vous avez donné... Coup de poing n'est-il pas? Non, non. Face à Blog Dog, les points, ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Ah, il déteste sa chaleur. Des attaques de bas de flamme. D'accord, ok. Non, mais c'est bon. D'accord, ouais, je me disais bien, c'est les flammes les meilleurs. Ouais, c'est un tuto pour utiliser les flammes. Ah merde! Putain, il subit rien en plus. Sérieux? Mais what the fuck, comment on utilise ça? Ah merde, il peut pas rester comme ça. Décemment, je ne connais rien avec Bowser. Hein. Bon, on va peut-être lire le guide un petit peu si vous voulez. Hein. Non. Faut savoir qu'un bouton est devant chaque personnage. Ouais, on s'en fout. Non. Ah, flamme. Bowser inspire fondement. Maintenez X enfoncé pour utiliser les flammes continues. De plus, ces flammes touchent tous les monstres de bataille. Puis les brûlures. Plan de maintenir X appuyé une fois que vous aurez craché les flammes. Ok. D'accord. Bon, on va essayer. Désolé, les amis. Hein. Bowser, ça fait un bail. Voilà. Bon. Ah, il fait que 0. Mais what? Fait un excellent quoi. Putain. À ce train-là, je vais perdre. Hein. Vas-y, j'essaye de maintenir. Ah, putain! Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas évident ce Bowser, hein, j'ai l'impression. Vas-y, je maintiens au maximum, on verra bien. Ah non, ça marche pas. Ok, il faut appuyer au bon moment, j'ai l'impression. Aïe. Ok. Mais je fais qu'un ok, hein. Ouais. Je lui fais vraiment rien. Bah, il va se... À un moment, il va subir des dégâts, non?
Je vais l'avoir en l'usure, merde. Ce chien. Ah, il faut maintenir, ok. Ah bah voilà. Block Dog nous montre son pretty derrière, d'accord. No, faites-lui goûter de vos points, mister. Ah. D'accord. Tiens, ah voilà, là je lui mets les gars, là on parle. Là il n'y a pas de souci. Ah quand même. Ok. Ah j'ai enfin compris. En fait faut maintenir dès qu'on est là. Là on maintient. Et voilà. Et là on fait un excellent. Parfait. D'accord, en fait c'est facile les flammes. Faut juste comprendre en fait. J'avais juste pas compris. Et tiens, voilà, là on lui met cher les amis. Voilà, tiens, dégage. Ah, tu souffres, hein. Ah, ce que tu m'as mis, là, t'as failli me tuer, en plus. Tiens, tiens, tiens. Et maintenant, mange-moi ça. Boum. Voilà. Bon, c'était vraiment un tuto. Mais voilà, au moins... Avec vos flammes, vous pouvez toucher tous les monstres dans vous. Quand vous affrontez beaucoup de manies de monstres, utilisez les flammes. C'est la best tactique. Ok. Je sais rien de m'en souvenir. Ah, yes, Bowser monte de niveau. Il est niveau 3, je crois, non? Pas plus. Ah, 5. D'accord, quand même. Ok. Et niveau 5, pourquoi pas. Il est rang bronze. Après, il sera en rang argent, j'imagine. Alors, les PF1. Voilà. Ça, après, on montrera la défense, normalement. Normalement, les amis. Bien. Mais parfait, tout ça. Wow. Même quand il s'enfuit, il est so very mignon. Il est vraiment adorable, n'est-il pas? Attends, Blue Dog. Je prie ton pardon. Bon, bah on va les laisser, hein. De toute façon, on n'a rien à faire avec eux. Ah, ça je peux casser. Oh, poulet piquant, on prend. Alors, les amis. On peut pas sauter. Ah, par là. Ah, une save. Une save, ça fait 17 minutes. Ah. Bon, c'est pas grave. On continue, allez hop. Bon, on va voir, on se rend où. Entrée de la forêt foussée. Ah, bah c'était là où il y a eu notre monstre qui a posé problème à Bowser. Allez, dégage. Lui aussi, il crame. Attends, si un arbre ne crame pas, je comprends pas. Ah, mince. Ah, c'est d'accord, c'est pour lancer une attaque. Bon. Ok, bah je vais leur mettre que des crits, hein, on est d'accord. D'accord que c'est ça, la best strat. Tiens, 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 tiens. Ah, ils sont même pas morts, putain. Tiens. Tiens. Alors, allez. Là, une deuxième fournée, vous êtes mort quand même. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Parfait. Fromage, ok. On prend. 70 XP. Ah, c'est pas mal. Ah oui. Ah non, mais là, les amis, là, clairement, on va les faire. Alors là. Ah oui. Lui, on le crame. Ah, voilà, tu penses. Putain, j'adore. Ces flammes, j'adore. C'est très très bien, ces flammes. Yes. Best truc de... Ah, c'est bon, je l'ai touché. Yes. Donc lui, on va le tuer, comme ça, on va monter de niveau. Là, on est un peu trop faible, j'ai l'impression. On est un petit peu trop juste avec Bowser. Hein. Si on se tapait un vrai boss, on va avoir du mal. C'est pour ça qu'on va les tuer. Hop, voilà, parfait. En plus, eux sont vraiment faciles à éliminer. Tiens. Tiens. Ah, il y en a un que j'ai brûlé d'armes. Intéressant. Tiens, 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 et tiens. Voilà, parfait. Ça va, ils sont très faciles à éliminer, les amis. Allez, on monte. Ah, Mars. Encore un. Encore un, et ça sera bon, les amis. Hop, on crame celui-là. On va tout cramer, hein, pour voir... Si on loupe rien, normalement on loupe rien. Alors c'est parti, on va aller en haut.
Par contre, il y a un point de sauvegarde. Alors, est-ce que ça veut dire début de zone? Ce que je pense. Est-ce que ça veut dire boss? Bah, certainement, un boss dans cette zone. Hein. Vers la prairie, plage de Karikari. Ah, j'aime bien ces panneaux-là qui disent vers d'autres zones, en fait. Je trouve ça assez intéressant. Ah, un Wiggler. Ah. Ah merde, il y a un code. Oh bah attends. Il est facilement devinable, ton code. Mince, c'est pas ça. Donc c'est ça. Allez, celui-là. Ah, j'ai pas de chance. Là, pour le coup, là, j'ai pas de chance. Ok. Hop. Et le dernier. Voilà, Wheeler, c'est fait. J'espère que c'est pas un ennemi. Quand même pas, les amis. Ah, d'accord, excellent. Yes, on dégage la voie. Sympa. Ah, ça, c'est chic de sa part. Hein. Ah, une pièce de pulse. Alors, je sais pas si Bowser en a. Ah, je peux pas cramer ça. D'accord. Il y a une petite entrée là, mais Bowser peut pas passer, trop haut. Trop stock. Non, mais je pense que ça va être pour Mario Luigi. Hein. Non, parce que les amis, à un moment dans l'aventure, on va sortir de Bowser. Hein. C'est vrai que c'est voyage au centre de Bowser, mais on va pas rester indéfiniment dans Bowser. Là, prairie. Hein. Ah, il y a plusieurs choix là. Bah, on va aller par là. Ah, Bulldog. Putain. Block Dog. Chut, reste cool, my little Block Dog. Tu vas faire fuir les clients. Yup, no. Ah! Il est commerçant. Oh, mister! C'est sûrement le destin qui nous réunit tout le temps. C'est vrai. Vous voulez savoir ce que je fais ici? Eh bien, well, je suis commerçant. Pour payer la nourriture exorbitante de Block Dog, j'ai ouvert une boutique. Please, mister, achetez-moi quelque chose. Bah, ça dépend, t'as des bons trucs. And si vous voulez bien donner des pièces à Block Dog, il adore ça. Ok, tu en raffoles, pareil, bon chien. Si vous lui donnez des pièces, il vous les échangera peut-être. Ah ouais, sérieux? Attends, tu m'intéresses, Block Dog. Ouais. Merde. Mince, je me suis trompé. Faire tes équipements. Non. Je veux pas vendre. Sûreté. D'accord, il donne le même truc. 300 pièces. Ah, c'est cher, mais oui, on va l'acheter. Ah oui, on l'équipe, évidemment. Ok. Accessoire. Un bracelet contre-attaque. Ah mince, c'est 500. Ah putain, c'est cher. Non, le gant récup, je garde. Hein. Les objets. Oh putain, un bonbon étoile. Poulet au fromage. Putain, c'est si cher que ça. Attends. J'en ai deux dans l'inventaire. Le fromage, ça vaut rien. Là, j'en ai 5, 16. Là, j'en ai 28, on s'en fout. Ah, je pourrais les vendre. Restore tous les PVPF de Mario Luigi. Ah, mais ça peut servir. Ah, c'est les objets ultimes, ça peut servir. Ah, merde, j'ai pas assez de pièces. Ah, c'est la crise. Que puis-je pour vous? Je vais acheter des objets. Ah, lui, c'est les objets qui vendent. D'accord, bon, ça m'intéresse pas du tout. Ah, par contre, peut-être que ça t'intéresse plus, ces objets, non? T'as l'air de les vendre au même prix. Ouais, même en vendant mes 5,30, ça suffira pas. Non, bon, on va attendre de... Rien, laisse tomber. Bah, écoutez, c'est pas grave, hein, on va attendre un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi donc? Quoi? Qu'est-ce qu'il me veut encore, le bloc à moustache? Je sais que vous êtes fort et bon, mister. J'ai une requête à vous faire. Dis-moi. Je suis pressé, crache le morceau. Oh, I understand, je vais vous expliquer. Very, very vite. Comme vous le savez, I am un big collector de blocs. Oui, ouais, connais mon nom. Yes, je suis un VIP. Oui, ok, bref. Mais il existe des blocs que même moi, je ne possède pas encore. Ah oui, ce sont les blocs vivants. Les fameux chablocs. Ah, je connais ça. Ah oui, ça. Il ressemble à ça. This one, c'est juste une little automate que j'ai réalisée. Et les vrais sont encore plus adorables, sont perfects. Et donc en ce moment, je meurs d'envie d'avoir des chablocs. Je voudrais en faire des mascottes. Ouais, d'accord. Désolé pour toi, Mike Dear. Block Dog, je suis dans une période chablocs. Je n'endors plus le nuit, il me faut de les chablocs. So, je voudrais que vous trouviez ces rares blocs, les chablocs pour moi.
Et comme vous êtes une gentille gentleman, vous allez accepter Zenkyu very beaucoup. Voyez-vous plus de détails plus tard. Oh, vous n'avez pas besoin d'explication, vous dites. Vous êtes sûr? Ouais, plus tard. Ouais, Lee, vous êtes bon. Ah oui! Je vois, je compte sur vous, Mister. Je suis sûr que vous allez trouver Sherlock. Vous allez trouver, ouais. Quand vous voulez. Ouais. Oui! Putain, qu'est-ce qu'il parle? C'est un truc de fou. Et en plus, pour rien dire, c'est ça qui est chaud. Bon, ok, faut retrouver Sherlock, les amis. Faut retrouver Sherlock, mais bon, c'est pas très très intéressant, il me semble. Mais on verra bien. Voilà. Bon, les amis, on s'arrête ici. On se retrouvera plus. Cet épisode de Morluigi. Voilà, je vous sens de Bowser. Merci à regarder. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et tu peux aussi visiter l'onglet communauté de ma chaîne. Je poste quelques petites informations au sujet des plays critiques, des let's plays et encore autre chose. Voilà. Allez, les amis. Bye tout le monde.